Et bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour ce live de Insurmontable, le jeu de rocker, beatrocker game. C'est un petit jeu de survie dans les montagnes. Et ouais. Et le but sera de franchir la montagne. Voilà. Waouh. Alors du coup je vais faire une nouvelle partie, comme ça je vais reprendre à zéro. Ça évitera de taper la grosse montagne du jeu. Donc ça sera plus simple. Ça sera plus simple, ça sera plus simple. C'est vendeur, je sais, c'est très vendeur. Si tu veux savoir, hein, tu as qu'à regarder le test qui est disponible. Alors du coup, moi quand j'ai fait le jeu, quand j'ai fait mon... Bonsoir à toi la Benix. Quand j'ai fait le test, le jeu était 100% anglais. Et là, j'ai la bonne surprise, je lance le jeu et il est français. Alléluia! Donc du coup ça m'arrange un peu. Je suis content de voir que le jeu est français. On va grimper, tu veux dire? Oui, on va grimper des montagnes. On va faire des ascensions montagneuses. Chargements, ils sont longs maintenant. Normalement, ils sont pas longs. Alors, je sais pas si c'est dû au live, mais d'habitude, c'est pas assez pas long. Va pas. Voilà. Il l'a bloqué, je crois. Et le jeu marchait très bien avant, et puis là voilà. Jeu bête. Voilà, on peut y aller. Donc du coup, on va choisir un de nos alpinistes. Alors du coup, moi j'ai fait ma partie avec l'aventurière. Je vais peut-être changer, vu que maintenant je connais à peu près ce qu'il faut. Donc je pense que la journaliste, qui ça peut être sympa parce qu'il y a pas mal de choses. Après là, il a quoi? Plus 4 de temps de recharge, l'XP en plus. Zoom. Je vais prendre lui, tiens. Je vais prendre le scientifique, allez. Vous avez mis une théorie révolutionnaire, une source d'énergie électromagnétique encore inconnue pourrait alimenter la planète entière en énergie. Des experts ont rejeté votre théorie et l'ont tournée en dérision, vous accusant de verser dans la science, science-fiction. Mais leur conformisme n'a fait qu'accroître votre détermination. En attendant, et salut à toi mon petit tigre blanc, comment vas-tu? En entendant parler d'une île mystérieuse apparue, comme par enchantement, vos convictions se renforcent. D'après vos estimations, les conditions climatiques de cette chaîne de montagnes sont propices à l'activité électromagnétique. Le niveau de radiation devrait être plus important au sommet des montagnes. Vous devrez escalader ces montagnes pour prouver votre théorie et ainsi rétablir votre réputation. Donc, bon, dans mon autre partie, je suis jusqu'à insurmontable. Alors, parce que, en fait, la partie normale est vachement simple. Les montagnes sont faciles à avoir. Alors, du coup, phénomène inhabituel. Non, terrain périlleux offre une meilleure prise de sur cette voie. Je vais prendre ça, je le sens bien celui-là. Allez, avec un peu de blizzard. Allez. Bon, les chargements sont longs, hein. Depuis votre arrivée sur l'île, vous savez que cet endroit est bel et bien celui que vous cherchiez. Les mesures sur vos instruments sont toutes extrêmement élevées, et ce même au pied de la montagne. De plus, la population indigène recluse les vestiges d'une mystérieuse force d'occupation ayant tenu l'île secrète pendant des années. C'est quoi? C'est un jeu de quoi? C'est un jeu de survie dans la montagne. En fait, le but, en fait, il va falloir monter une montagne. Alors, on va regarder. Tu vois, là, c'est ma montagne. Moi, je suis le petit alpiniste ici.
Et mon but sera de monter jusqu'à là-haut. Tout là-haut, là-haut. Tout là-haut, là-haut. Tout là-haut, là-haut. Voilà. Et une fois que je suis là-haut, bah, va falloir redescendre. Ouais, tout ça pour rien. Alors du coup, j'essaye de regarder un chemin intéressant. Ici, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Alors là, c'est des événements. On va commencer. Je vais accélérer le jeu, sinon c'est trop long. Bon, moi j'avais très bien, très très bien. Normalement, c'est des montagnes qui se font de manière procédurale, mais j'ai pas l'impression. Vous découvrez une grande sacoche en cuir par terre, juste à côté. Vous apercevez des empreintes de sabots. Ouais. Vous trouvez des herbes dans la sacoche. Ouais. On va les récupérer, hein. Hop. Je suis trop content. Bon, des fois, faut vérifier parce que... Ouais, t'imagines? Mais le pire, c'est que, en fait, quand tu arrives là-haut, plus tu arrives, en fait, plus tu vas manquer d'oxygène. Toi, donc tu vas être en mode galère pour monter, tu vas perdre l'oxygène, tu vas plus pouvoir dormir parce qu'en fait, dormir, ça te fait perdre l'oxygène, c'est la galère. Un aigle royal se pose soudain devant vous, ses ailes le portent majestueusement jusqu'au sol. Vous l'observez avec fascination et il vous observe également sans peur. Vous ne pouvez vous l'expliquer, mais cette rencontre vous semble magique, vous imprégnant totalement de ce moment magique. De la santé mentale ou de la chaleur. Ah, c'est la santé mentale ça, putain, dans mon test, je me demandais ce que c'était, je me suis trompé. La santé mentale, allez, je suis pas encore fou. Allez hop, on continue. Alors du coup, il y a 4 stats, l'énergie, l'oxygène, la santé mentale du coup, et la température corporelle. Du coup, faut que je garde tout ça. Bah, en français, ça va être mieux, hein. Vous entrez dans la grotte, l'endroit est sec et protégé du vent. Je m'allonge et je m'endors. Allez, ça me fait gagner du truc 24 d'énergie. Ok. 24. Oh, 24 d'énergie, c'est assez. Ça me permet de reprendre un peu d'énergie. Voilà, hop. On y est, je suis là. Je suis monté comme ça. Ah, vous atteignez un petit plateau auquel les parois rocheuses escarpées fournissent une protection naturelle contre le vent glacial. Pourquoi les petits points d'interrogation? Reste combien de temps tu peux, hein? L'endroit idéal pour faire une pause. Les vestiges d'un feu depuis longtemps éteint vous laissent penser que vous n'êtes pas la première personne à avoir fait halte ici. Je fais une pause. Alors je continue mon périple, je vais pas faire des pauses toutes les 2 secondes. Alors j'ai quoi utiliser pour gagner de l'expérience? Ah, c'est pas mal ça. Si je peux monter de l'expérience. Alors en montant de l'expérience, on peut avoir une spécialité. Donc il a quoi lui? Dépense d'énergie réduite sur les terrains plats. C'est pas mal ça. Là on a quoi? Régénération de santé mentale lorsque vous utilisez un objet. Perte de santé mentale réduite lors des événements. Je vais prendre ça. Ouais. Allez hop. Ah, parce qu'en fait, moi j'ai. En fait, quand j'ai fait mon test, le jeu n'était pas encore français. Donc, du coup, en fait, moi j'ai réalisé le test sur la version 100% anglaise. Et puis c'est long en anglais. Là, il est français, il est traduit. Oui, c'est un jeu indépendant. Ça c'est quoi? Zoom, la caméra augmente jusqu'au prochain déplacement. Je connais pas, je vois. Ça sert à rien. J'ai un événement ici. Et je crois que ici c'est dangereux, ouais. Je vais voir, sinon il y a quoi d'autre? Il y a un petit chemin par là, mais si je monte par là. Ici, il y a quoi? Ouais, il y a rien. Bon, quitte à monter, je suis passé par là. Ah non, 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 je disais que le jeu
était mis en français parce que voilà, j'ai. C'est la version. Oh non, ça va casser. Non, c'est bon. Vous appuyez sur la paroi brocheuse, une mélodie lointaine parvient à vos oreilles. Douce, tendre et belle. Vous fermez les yeux un instant, respirant profondément et régulièrement. Vous continuez d'écouter la musique, semble venir de l'intérieur de la montagne. Oh, encore une montagne! Alors, ça fait quoi? On gagne de la santé mentale et pas mal d'expérience. Ça pue par ici, par contre, les gars. Par contre, il y a une tente là-haut, je vais peut-être la faire après, pour prendre un peu de repos. Ah! Vous entendez quelque chose de pire, ce qui dévale la pente. Une d'elles vous frappe le torse. Putain, la chance. Ça commence, quoi. Je me fais assommer par une pierre, quoi. Allez. Un feu allumé, il n'y a pas d'âme à l'horizon. Hop, un petit feu. Je récupère d'énergie. Je vais monter là. Hop. On monte, on monte, on monte. Faut grappiller, là, parce que hein, on n'avance pas lourd. J'essaye de voir un chemin. Je vais peut-être passer par là. Vous entrez dans la grotte, je m'allonge et je m'endors. La température, je baisse sans température, mais au moins je récupère toute mon énergie. Bah non, tu meurs pas, tu te prends un rocher sur la gueule, tu sais, tu meurs pas, c'est logique. Tu perds juste 2 points de vie, c'est tout. Ah, vous découvrez une sacoche en cuir, il y a quoi dedans? Vous trouvez de l'herbe. Encore? Sérieux? Bon, c'est dangereux de passer par là. On peut pas monter. J'annule. Monter par là. Faire un chemin comme ça, ben ouais, c'est mieux là. Ils sont dangereux, ils me font passer par des chemins, mais. Je t'explique même pas. Ah, ils ont ajouté le zoom aussi, c'est pas mal. Vieille ferme, si, ok. De la santé ou de la chaleur? Je prends de la chaleur, mec. J'ai besoin de chaleur. Oula, ça pue pas ici. Est-ce que si je fais ça, hop, hop. Ah, je suis passé par là. Bah, ça réchauffe, hein. Ah là, j'ai pas mal d'événements, ça va me faire du bien. C'est bon, tu peux monter là, mec. Directement. Alors, vous trouvez une grotte. Je vais suivre l'odeur. Plus profond dans la grotte, après quelques mètres, vous tombez dans un trou d'eau. Un mince ray de lumière file à travers. Je regagne de l'XP, de l'expérience. Est-ce que je m'endors? Non, je m'endors pas, ça sert à rien. Bon, j'ai monté de niveau. Déplacement prudent. Déplacements prennent plus de temps, mais. Ouais, c'est pas mal ça. Dépense d'énergie significative réduite sur les plats. Encore. Température maximum augmentée. Ça, je vais prendre. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais aller là et après je vais monter là. Je vais essayer de suivre. Oula! Vous éteignez un creux rocher à moitié recouvert de glace alors que vous escaladiez prudemment la bande de glace intérieure du creux. Vous tombez nez à nez avec une paire d'yeux vous dévisageant. Vous prenez une profonde inspiration. Les yeux sont d'une femme qui est presque entièrement gelée dans la glace. Seul son visage et le haut de son torse sont découverts. Je libère le cadavre, j'examine le cadavre, je continue. Je libère le cadavre, je suis un ouf. C'est une jeune femme, la regardez dans. C'est une jeune femme, elle a regardé les yeux pareils au plongeon dans un lac sans fond. Mais qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi ne présente-t-elle aucun signe de décomposition? Vous oubliez ces questions lorsque vos doigts rencontrent une petite piochette qu'elle porte autour du cou. Vous ouvrez délicatement la pochette et vous trouvez quelque chose d'utile, de la plante. Putain, ça fait la troisième plante que je trouve, les gars, quoi. Salut, tu trouves des plantes? Ouais, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Je vais me réchauffer cet été. Alors, un crochet. Tandis que votre regard se promène sur l'imposante paroi rocheuse verticale, il est attiré par des anneaux
Des reins de vieux pitons, vous penchez la tête en arrière le plus possible. Vous pouvez deviner que les pitons mènent à un petit plateau. Pourquoi quelqu'un aurait-il fait l'effort d'essayer de l'atteindre? J'escalade la paroi. Je perds beaucoup d'énergie. Et beaucoup de température. Les crochets émettent d'inquiétants craquements quand vous les utilisez pour grimper. Vous hésitez. Une chute de cette hauteur pourrait vous tuer. Vous grimpez lentement, centimètre par centimètre, jusqu'à finalement atteindre le plateau et vous hébétiez dans une niche rocheuse. Cet endroit était un refuge pour d'autres alpinistes avant vous. Ouais! Oh, bah, j'ai bien fait. Je gagne de l'oxygène, de l'énergie, pas mal d'XP. Par contre, oh, une bouteille d'oxygène. Ouais, bah, j'ai bien fait. Hein. Alors, j'ai quoi? Perte de santé mentale, régénération de santé mentale lorsque vous utilisez un objet, compétence active, dépense d'énergie réduite sur tous les terrains. Ça c'est pas mal ça. Encore un aigle? Sérieux? Moi de la chaleur, je prends de la chaleur, j'en ai besoin. Vous apercevez devant vous la silhouette de monolithes disposés de façon circulaire. Certains d'entre eux se sont enfondrés et brisés en mille morceaux. Pourrait-il s'agir d'un ancien site rituel? Je vais peut-être gagner quelque chose, hein. Est-ce la nature qui a mis ces témoins silencieux dans une ancienne culture disparue dans cet état? Ou bien est-il été détruit par d'autres humains? Vous l'ignorez, mais quelque chose finira bien par renaître de ces... ruine. Tel est le cercle de la vie. Vous êtes sur le point de partir quand soudain vous croyez apercevoir quelque chose sous un des monolithes. Vous vous approchez. Et ben voilà! Hop, de la bouffe! Et moi je te le dis, il faut fouiller, moi. Je te le dis, mon petit bonhomme. Tu peux pas faire ça, non? Ça et ça? Oh, c'est un peu à chier, là. Faudrait que je monte là-haut. Je sais pas, un autre chemin. Je vais mettre ma vision d'aigle. C'est pas mal. Il est pas mal lui avec la vision d'aigle. Parce qu'avec les autres on peut pas. Je vais y aller doucement. Ah ça. Je peux descendre en rappel ou je peux descendre? C'est un rappel. C'était nul, désolé. Je vais me poser un peu là-haut. Je vais faire un petit dodo. Histoire de me réchauffer tout et tout. Voilà. Hop. Hop, ça va me réchauffer, ça va me redonner de l'énergie. Pas beaucoup, hein. Mais non, je vais pas mourir. Elle est où le haut de la montagne? Il est là-haut. Il monte en haut de la montagne à cheval. Il monte en haut de la montagne à cheval. Il monte en haut de la montagne. Il monte en haut de la montagne. Il monte en haut de la montagne à cheval. Il va sûrement mourir par un rocher. Il va sûrement mourir écrasé par un rocher.
Va sûrement mourir par un rocher, va sûrement mourir par un rocher. Allez. Vous entendez? Non, c'est Bender qui chante cette chanson. C'est lui qui l'a inventée. Don't forget. Zéro culture. Oh non! Tandis que vous traversez un terrain accidenté, jonché de pierres, vous marchez sur un morceau de rocher instable et vous foulez la cheville. Vraiment pas de chance, mec. Oh là là, ma cheville est pétée, je fais comment? Vais-je survivre à cette épreuve? Eh ben, je vais me reposer dans la grotte, je m'allonge et je m'endors. Oh, je suis la lumière, je suis un ouf. Vous suivez la lumière, alors que vous approchez, vous réalisez qu'elle provient de centaines de lucioles. C'est fascinant. Je me repose maintenant. Ouais. Je m'endors. Hop. C'est parti. Ah ouais, le chemin, ça va les gars. Et genre on peut pas faire ça, ça, ça et monter là. Ouais, si, pourquoi tu fais un chemin de... Les mecs ils ont voulu m'arnaquer quoi. On s'approche du sommet, hein. Non, j'ai dormi assez longtemps. J'ai dormi le maximum, non? Je me suis trompé. Oh! L'air se fait plus rare et votre respiration est lourde. Vous avez pénétré dans la zone de la mort. Vous vous arrêtez un instant pour vous préparer au rude chemin qui vous attend. Donc à partir du moment, en fait, il y a mon oxygène qui va commencer à descendre. Ça aide casse bonbon. Perte d'oxygène réduite pour une plus longue période. Je monterai aussi vite que possible. Voilà, vous découvrez un coffre. De déterrer, je perds de l'énergie. Et de l'oxygène. Je m'en fous, moi. Vous trouvez une bouteille isotherme. Et voilà. Comment se réchauffer? Allez, c'est parti. Le chemin va être très long. Ah, j'ai dormi peu de temps, t'es sûr? Oh là là, la merguez. Je vais mourir. Je n'aurais pas découvert le chemin. Est-ce que je vais me briser un autre pied? Ah là, y a pas vraiment de musique, c'est plus une ambiance, toi. Allez, on fait quoi? Eh, j'explore le tunnel, moi je suis un ouf à chaque fois. Je m'avance dans l'obscurité. Vous avancez à quatre pattes dans l'obscurité, au bout de certains temps, vous tombez sur des débris. Il semble que le passage soit resté effondré. Sérieux? Bon, moi j'ai monté de niveau. Hein. Je vais dormir longtemps, du coup. Ouais, non, mais en fait là je peux plus dormir longtemps. Bon, en fait là je peux plus dormir en fait. Parce qu'en fait, si je dors, je perds beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'oxygène. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, non, on va pas passer par là, c'est dangereux, les gars. On peut créer son chemin, hein. Vraiment au cas où. Allez, j'ai plus d'énergie, j'avais pas remarqué. Ça c'est pas cool. Un nouveau coffre. Allez hop, y'a quoi dedans? Une tasse isotherme. Est-ce que ça me remet de l'énergie? Peut-être. Voilà, je vais peut-être prendre un petit truc. 33 d'énergie. Allez, on mange ça. Ça me réchauffe, je vais prendre ça aussi. Allez hop.
Alors, si je vais jusqu'à là-bas, ça, bon, ça passe. Mais le chemin est là-haut. Enfin, je vais pas me fouler. Je pense que je vais faire hop, hop, hop. Ah non, c'est dangereux par là. Voilà, on va passer par là. On y est presque, elle est là-haut la montagne. Je grimpe en haut de la montagne, pas à cheval. Je grimpe en haut de la montagne, mais pas à cheval. Je grimpe en haut de la montagne, je grimpe en haut de la montagne, je grimpe en haut de la montagne, mais pas à cheval. Ah, une petite maison, de la santé ou de... Bah, pas grand chose, hein. Prendre de la santé, mais bon, c'est pas ça que je voulais, moi. J'aurais préféré de l'énergie, toi, mais bon. Vous tombez de la roche, vous faites une chute de 32 mètres. Alors, soit je peux grimper comme ça, mais j'aurai plus d'énergie. On le tente ou pas? T'inquiète. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu de vraie catastrophe, genre du blizzard qui vient me casser les bonbons. Alors, vous en avez le souffle coupé en face de vous, des amas de glace et de neige aux formes étranges s'élèvent sur la pente et vous apercevez plusieurs tentes non loin de là. Qui a établi sous son campement ici? Vous lancez un appel, mais personne ne répond. Je me dirige vers la première tente. Vous approchez lentement du campement, la glace craque sous vos pieds comme par hasard. Chaque pas pourrait être votre dernier. Vous fermez les yeux. Enfin, vous atteignez votre objectif. Le campement a été abandonné et il n'y a aucune âme à l'horizon. Ses occupants ont dû partir il y a longtemps. Vous cherchez parmi les affaires qui ont laissé là et trouvez de l'équipement. Wouhou ! Des crampons, mais c'est pas mal ça, des crampons. Hop ! On va les mettre. Nickel ! Je pourrais aller là. Et après on va monter, on va franchir le dernier carré. On va se reposer un petit peu. Hop. Je m'endors longtemps. Je vais perdre de l'oxygène, mais c'est pas grave. Je vais reprendre de l'énergie un peu. J'ai une bouteille d'oxygène au pire. J'utiliserai. Ah, il y a du blibli. Passer par là. Ah, je peux utiliser ça. On y est presque. Pourquoi faut-il faire ça? Je ne sais point. Voilà, des aurores boréales, quel spectacle. Voilà, c'était juste ça.
Allez, c'est la fin du chemin. On y est. On a atteint le sommet. C'est très beau, regardez. Quelle vue, imprenable. Ouais, vous avez réussi à atteindre le sommet et allumer immédiatement vos appareils. Pour ne pas perdre plus de temps, le bip sonne de plus en plus fort, faisant battre votre corps à tout rompre. Mais soudain, la réalité vous frappe de plein fouet. Vous êtes peut-être en train de mesurer de hauts niveaux de radiation électromagnétique. Mais ceux-ci sont tous de même inférieurs à vos attentes. C'est con, ça. Cela n'est pas suffisant pour attrayer votre théorie. C'est bête, hein. La fatigue et le désespoir pèsent sur vous. Votre regard vite balaye les environs. Oui, il n'y a que 3 montagnes à faire. Après, c'est des montagnes. En fait, c'est des cartes à génération procédurale, donc c'est jamais la même montagne. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil, je trouve. Un second sommet plus haut que le premier se dresse derrière un voile de brume. Sa vue vous donne immédiatement un regain d'assurance. Vous avez la conviction que les niveaux de radiation y seront plus élevés. Mais avant de pouvoir vérifier cela, vous allez devoir redescendre et trouver un endroit où vous reposer pour récupérer toutes vos forces. Vois le chemin là-bas. Bah faut que tu ailles jusqu'à là-bas. T'es content d'avoir monté, hein? T'es content? Bah tu redescends maintenant. Perte de santé réduite lors des événements, dépenses d'énergie réduite sous la neige. Oh, c'est pas mal ça. Attends, je vais prendre le... Je vais avoir d'énergie si je fais ça. Mais non. Je suis bien obligé de descendre. Non, si c'est radioélectrique, pas radioactif, radioélectrique. Je sais pas s'il y a une grosse différence. Mais... Je vais me reposer un peu. Dormir longtemps. Un peu d'oxygène, ça va faire du bien. On va prendre du café chaud. Ah, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, d'accord. Ah, la vue est vraiment. Quand tu descends, la vue est galère. Du coup, je vais y aller doucement. Je me trompe pas de chemin, j'espère. Non, c'est ça. C'est assez loin, hein. À partir du prochain rocher, celui-là, il va faire jour. Voilà. Pareil, je trouve qu'à la descente, il y a très très peu d'événements, je trouve.
Bah non, parce que ça te permet de récupérer, tu sais, de la vie et tout. Quand tu l'as pas, c'est un truc là, je vais reprendre un peu d'énergie. Pareil, t'as très peu de repères, tu sais, pour te retrouver. Là, je sais pas où je suis. Là, je sais même pas où qu'il est mon point final. Et comme t'as pas de zoom à part l'aigle, je vais l'utiliser tout de suite. Et là, bah, putain, c'est loin! Oh! Une large crevasse vous bloque le passage, il y a un pont de neige, mais vous pourrez l'utiliser pour traverser, mais vous doutez de sa stabilité. Je traverse le pont de neige. Vous faites quelque chose, quelques pas sur le pont de neige et la neige cède, vous percutez violemment l'autre paroi de la crevasse, mais vous parvenez à stopper de la chute. Ouah, je perds un peu de santé. Ah, par contre, tu vas bouger, hein? Non, mais dis donc. Ah merde. Je vais récupérer d'énergie, mais j'aurai plus de trucs. Allez, je suis un ouf. C'est les talents, ça. Vous n'avez plus d'oxygène et vous n'avez plus d'énergie, mais vous continuez. J'ignore la voix, je suis un ouf. Non, je perds 5 santé. Par contre, le chemin, c'est chiant, ça aussi. Je me rappelle pas que la première fois où j'ai fait mon petit chemin comme ça. Vas-y, j'ai pas peur. La première fois, le chemin de redescente était 10 fois moins long. Là, je sais pas, ils se sont dit, ouais, vas-y, viens pour le faire chier, il fait un grand chemin. Ah, vous entendez quelques pierres qui dévalent la pente, l'une d'elles vous frappe le torse, encore. Enfin, j'en ai de la chance. Hein. Les pierres me détestent dans le jeu. Allez, je récupère un peu d'oxygène, ça va faire du bien. On est descendu assez bas pour récupérer un peu. Ben après, en fait, ouais, les événements sont souvent les mêmes. Voilà, ça va faire du bien. Voilà, on va pouvoir finir tranquillement. Voilà, Johnny s'est pris des pierres dans la tronche, il s'est cassé 3 jambes. Il a pas pris son Benko au petit déjeuner, mais il réussit à terminer cette montagne. Voilà. Terminé! Vous établissez votre campement au creux d'une dépression habitée par des rochers. L'ascension était bien plus éreintante que ce que vous pensiez à la base. Vous allez devoir vous reposer plus longtemps que d'habitude pour récupérer. Quel intérêt il y aurait à découvrir le Graal de la production d'énergie si vous ne survivez même pas pour en parler à qui que ce soit?
Allez, je récupère pas grand chose. Hein. Donc j'ai fini la première montagne. Wouhou, on va partir sur la seconde montagne. Montagne 2. Alors, on a quoi? De la neige ferme, terrain neigeux offre une meilleure prise sur la voie. Orage très violent, terrain très rude. Ok. Roche solide, orage très violent. Bon, allez, je prends le premier. J'adore. Ah, clairement, en fait, moi, enfin, la première fois que j'ai, comme j'ai dit, la première fois que j'ai joué, enfin, pour réaliser le test, il était 100% anglais. Donc déjà, ça aidait pas. Clairement, les événements, toi, quand ils s'enchaînent et qu'ils sont anglais, c'est assez chiant. Après, le jeu est vachement répétitif. Tu vas faire ça pour faire une 2-3 parties, tu sais, pour histoire 2, mais tu fais toujours la même chose. Les événements, je trouve qu'il y en a parfois, il y en a pas assez, des fois il y en a trop. Quand il y en a trop, c'est toujours les mêmes. Tu vois, c'est. Enfin, je trouve que c'est assez mal jaugé. Alors, vous voyez là la montagne, la taille de la montagne 2. Donc ça, c'est juste une partie. Parce qu'en fait, la montagne 3, c'est encore pire que ça. Mais celle-là, elle est déjà grandiose. Soit une bâche, sous une bâche, vous découvrez une grande cage vide, des touffes de fourrure brunâtre sont coincées entre les barreaux. Je continue mon périple. Il y a un ours? Ah non, j'ai continué mon périple. Non, j'aurai pas le temps. Là, je vais bientôt arrêter. Celui-là, je vais mourir, je pense. Et encore, enfin là, enfin normalement tu n'es pas censé avoir autant de une aussi grande descente. Moi je me rappelle pas que ma descente la première fois, tandis que vous traversez un terrain accidenté, jonché de pierres, vous marchez sur un morceau de roche instable. D'habitude je me foule la cheville. C'est pété la 8ème cheville le mec. Vous entendez un petit couinement à proximité, vous jetez un œil aux alentours et découvrez un lièvre variable recroquevillé à l'intérieur d'une crevasse. Vous approchez et le lièvre se met à trembler, mais n'essaie pas de fuir, vous l'imaginez. Je tue le lièvre, j'aide le lièvre, je continue mon périple, j'aide le lièvre, je suis gentil. Vous donnez une poignée d'herbe à l'animal terrifié, il commence à grignoter avec enthousiasme, ses tremblements s'atténuent et vous pouvez maintenant examiner ses pattes arrière. Ils se sont cassés, vous fabriquez une attelle à partir d'une branche et vous l'attachez à l'une de ses pattes blessées. Le lièvre n'a que très peu de chances de survivre, mais celles-ci sont déjà un peu plus importantes qu'avant votre intervention. Merci, merci. Alors, dépenses de temps réduites, utilisez votre température pour... faire augmenter votre temps. Ça c'est pas mal ça. Bah en fait tu vois le souci du jeu bah là tu vois là ça commence à être un peu plus corsé les montagnes. Putain je viens juste d'arriver. Putain je me prends encore une truc quoi. En fait, le problème du jeu, c'est que dès que tu perds, bah tu recommences quoi. Enfin, du coup, déjà que la montagne 2 est assez difficile à monter. Alors, vous tenez face à une fissure, l'air perplexe, celle-ci est remplie de boîtes de conserve vides, de vêtements déchirés et bien d'autres déchets. Une odeur insoutenable envahit vos narines, quelqu'un a laissé une montagne de déchets. Alors, je reste au bord de la fissure, je me glisse à l'intérieur pour fouiller. Vous fouillez cette montagne de déchets tout en retenant votre respiration et vous tombez sur des excréments humains. Vous prenez quelque chose dans la pile et réprimez un haut de cœur.
Il s'agit d'une tête de chèvre en pleine décomposition. Cette pauvre bête a été décapitée. Vous serrez les dents et vous finissez par tomber sur un vieux sac à dos rempli d'équipement. Heureusement pour vous, l'équipement est intact. Ok. Rempli d'équipement. Il est rempli d'équipement. Moi je dis ça, je dis rien. Mais il n'y a rien dans votre sac à dos là. C'est du vol. Allez, on y fait faire son chemin. De toute façon, il va mourir là, ça va être trop long. Bon, la montagne, elle est vraiment. Enfin, je la trouve pas tip top là. En fait, sur la première, j'aurais dû. J'aurais dû avoir plus de. Plus de. Comment ça s'appelle? De. Oui, je continue, j'ai pas peur moi. Oh, regarde ce qu'il y a de l'énergie. Alors, des branches et buissons en proximité sont complètement recouvertes d'une toile d'araignée. En y regardant de plus près, vous remarquez plusieurs araignées disparaissant dans un trou au sol. Vous vous penchez pour inspecter ce dernier. On dirait que quelque chose a été dissimulé là. Je continue mon périple. Ouais. Ah non, je voulais... Non, à chaque fois, je continue mon périple et c'est pas ce que je voulais faire. La vomi, elle aime pas les têtes de chèvre. C'est une petite nature. Allez, monte tout là-haut, monsieur. Allez. Je sais pas si on peut tomber. J'ai jamais réussi à tomber. Ah, vous vous brisez la nuque et les deux jambes. Mais vous continuez. Ah, l'eau chaude et fumante jaillit d'une fissure dans la roche et se déverse dans un bassin de pierre situé en dessous. Vous trempez le bout de vos doigts dans le bain laiteux, c'est chaud et apaisant. Une source chaude, vous ne vous attendez pas à trouver une activité volcanique sur l'île. Mais il est vrai que toute la région regorge de surprises et de phénomènes inexplicables. Peut-être les colonisateurs ont-ils tenu l'île secrète afin d'exploiter ses propriété unique, ou peut-être sont-ils eux-mêmes responsables de ces phénomènes, on sait jamais. Hein. Vous n'avez de réponse pour aucune de ces questions. Vous devez continuer pour atteindre le sommet. C'est la raison de votre présence ici. Toutes les pièces du puzzle seront assemblées une fois que vous serez là-haut. Vous en avez la certitude. Mais d'abord, vous voulez vous arrêter pour vous reposer. Vous ne pouvez résister à la chance de prendre un bon bain chaud. Yeah. Qu'est-ce que ça fait du bien? Eh, vous pouvez pas savoir. Je le ressens là. Il y a l'immersion du jeu, je ressens la chaleur du bain chaud. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je me prends? Je laisse prudemment glisser. Alors, en accélérant la proximité d'une crevasse plate, vous perdez un pied et commencez à glisser. Le mec il lit mal, toi. Vous perdez pied et commencez à glisser. Après quelques mètres, vous parvenez à vous rattraper. Je me laisse prudemment glisser vers le bas de la pente. Tu vas crever. Cette montagne sera ton tombeau. Votre ventre gargouille et vous ressentez soudainement des crampes d'estomac. Vous réussissez à baisser votre pantalon juste... Hein ? Vous réussissez à baisser votre pantalon juste à temps pour vous libérer de ce fardeau. Ah, il avait envie de caca, j'avais pas compris. Oh. Je mâche des herbes. Vos problèmes digestifs se détombent rapidement. Et vous êtes en mesure de reprendre vos périples. Putain, le mec il avait pas compris qu'il avait envie de caca quoi. Allez. Alors, je vais vous jeter un œil. J'ai pas vu. Vous jetez un œil à l'intérieur d'une grotte sombre creusée à l'intérieur de la paroi rocheuse. Une odeur insoutenable de mort et de décomposition vous accueille. Au fond de la grotte, vous discernez simplement une forme imposante, probablement celle de la carcasse d'un animal. Vous allez partir quand vous entendez un petit gémissement. Vous vous aventurez à l'intérieur de la grotte et découvrez un ourson qui vous regarde l'air terrifié. Bah, j'ai de l'ourson. Vous vous accroupissez et tendez la main en direction de l'animal. Il s'en approche prudemment, puis pousse votre paume avec son museau.
Vous le gratouillez le derrière des oreilles pendant quelques minutes jusqu'à ce que sa respiration s'apaise. Vous vous relevez doucement pour sortir de la grotte. Abandonner cet ourson vous brise le cœur, mais vous ne pouvez rien faire pour lui. Ah ouais, je vais pas le prendre avec moi. C'est pas mal ça. J'ai pas mal de trucs là. Alors on en est où là? On est même pas à un quart de notre montagne. D'accord. Tu sais quoi? Je vais faire ça. Je vais mourir de toute façon. Tu vas mourir. Vous sentez vos pieds s'engourdir à cause du froid. Je remue mes orteils. Non, je continue à marcher, je n'ai pas peur. Continuez de placer les pieds dans l'autre. Allez, je gagne de la température. Moi j'aurais été l'idée de m'accoupler avec l'ours. Comme ça, voilà, je serais tranquille. Hein. Enfin, pas m'accoupler, de m'allonger avec l'ours. M'accoupler. Non. M'allonger avec l'ours, histoire de se réchauffer. Pas m'accoupler. On va pas se coupler avec un ours. Vous sentez faible et l'épuisement s'empare de vous. Vous vous doutez de votre capacité à continuer d'avancer. Je m'assieds, je me repose. Vous reposez quelques temps après avoir légèrement. Non mais je me suis trompé, je voulais dire m'allonger. Oh. Voilà. C'est de votre faute, vous me troublez. Oh putain. Allez, oh is ma saucisse. Un froid insoutenable, vous ne savez pas combien de temps vous pourrez survivre. Ouais, je vais mourir, c'est pas grave. Je vais pouvoir me reposer là-haut. Mais je vais avoir un événement, tu vas voir. Même pas. Ah si. Je m'allonge, non, je suis la lumière, parce que je suis toujours un ouf, moi. Voilà, je gagne de l'expérience, et là, je m'endors. Je dors longtemps. Je récupère de l'énergie. Toujours pas de froid. J'ai toujours froid, par contre. Voilà. On a récupéré de l'énergie, mon petit bonhomme. Allez, on monte, on va jusqu'à là. Allez, hop. Victoire, victoire pour victoire qui se fait ban. Oh, j'ai les mains bleues. Malgré mes gants épais, les doigts de votre main gauche vous paraissent engourdis et raidis, ce qui vous cause de plus en plus de problèmes pour vous agripper correctement. Vous avez entendu parler d'un alpiniste qui avait perdu 9 de ses 10 doigts et qui s'obstinait à escalader de nouveaux sommets. Ou en revanche, préférez conserver toutes vos extrémités. Vous éloignez votre main et elle est étrangement pâlée, enflée. Rapidement, vous ouvrez votre veste et enfoncez-la sous votre pull et sous votre aisselle. Au bout d'un moment, la chaleur revient à vos doigts. Heureusement qu'il ne s'agissait pas de vos orteils. Bah, tu les aurais mis où tes orteils? Elle est longue, sa montagne. Elle est longue. Allez, je fais quoi? Je fouille, je continue. Toujours la même chose, toujours les mêmes événements, c'est chiant. Je sais pas pourquoi il s'est fait ban, Victoire. De la santé, de l'énergie. Hop. Ah ouais, il a une URL URL non autorisée, ouais, du coup il a mis un lien. Vous entrez dans une grotte, l'endroit est sec et protégé du vent. Cependant, une forte odeur vous arrive au nord. Encore? Il va y avoir encore de l'excrément? Il y a quoi? Grognement, super, je me fais bouffer par un ours, super. Bah vive les ours, moi je le dis. Oh, je me fais bouffer par un ours. Allez, on monte tout là-haut. Allez, dépêche-toi.
T'as bien fait, t'avais qu'à pas mettre de lien. Vous apercevez des empreintes dans la neige. Elles ont presque été balayées par le vent, mais vous constatez qu'elles ont été laissées par un humain, faisant la taille d'un géant. Il semblerait que celui-ci se balade pieds nus. Super, il y a des yétis maintenant. Ah là là, glisser, chuter, la crevasse, l'impact est brutal. Oh là là, je me suis pris, je suis tombé sur la tête maintenant. Je me pète la cheville et tout. Oh là là, mais la totale, mais je récupère une amulette. Alors, je vais mettre l'amulette quand même. Elle se met où l'amulette? Voilà. Allez, continue mon bonhomme. Reprends ton chemin mon bonhomme. On y est presque, on est presque, on va bientôt mourir. Allez. Vous sentez les pieds s'engourdir. Allez, je me réchauffe, je suis comme d'hab. De toute façon, j'ai l'impression de toujours faire pareil. J'ai monté de niveau. Esprit robuste, perte, gain d'expérience accru au cours des événements nocturnes. Vous subissez un événement, allez hop, on monte les événements, on est des ouf et on reprend le chemin. J'ai envie de mourir. En fait, tu peux forcer, toi. Tu peux vraiment forcer le truc, mais c'est pas grave, toi. Le mec, il a plus d'énergie, il a froid. Bon, là, il se réchauffe un peu. Mais il continue, il y va, il est tenace. Il est tenace, notre bonhomme. Ah, je vais pas mourir. Tais-toi, toi. Ah là là. Ah, je suis déjà ici. Putain, je suis déjà à la mi-chemin. Mais bon, quand tu regardes, t'as pas l'air d'être à la mi-chemin. Hein. T'as l'impression que bah, ça se finit jamais, quoi. Ouais, je suis mort depuis un quart d'heure. Je suis quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, ils auraient pu faire quelque chose de bien. Et après, c'est jamais simple, hein, de pouvoir satisfaire tout le monde. Toi là. Tu vois, c'est un peu dommage, tu peux carrément forcer, toi. Ah, vous apercevez un sac à dos. Encore? Je prends, il y a quoi? Une boîte de conserve, je vais la bouffer tout de suite, j'ai faim. Hop, je prends, je la mange. Hop, je me réchauffe ma température. Je prends tout, je remonte tout, je suis un ouf. Allez, j'en ai besoin. On y est presque, la montagne, ça vous gagne. Une longue crevasse, encore, je tente le saut, je... Tournant, je tente le saut, je vais me briser quoi? Oui, j'atterris toute sécurité de l'autre côté. Eh, premier événement qui me tue pas. On découvre un arbre, vous ignorez. Hop, encore les mêmes choses. Il y a un chemin au moins par là? Ouais, il y a un chemin. Bah, le mec, il meurt jamais quoi. C'est Rocky quoi. Mais si, j'ai de l'énergie. J'ai de l'énergie de l'esprit. Tu vois? J'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Mais je récupère de l'énergie. Je perds de la vie. Mais là, toi, là, je commence à mourir. Là, je vais bientôt mourir. Il me reste 1,7 de santé. Santé, mais pas des pieds. C'est pas drôle. Oh là là là. Ah, j'examine les cadavres. J'examine les cadavres. Et je récupère une pioche et de l'oxygène. Ah, la pioche, tu l'as mis où? Voilà. L'oxygène. Hop. J'augmente mon oxygène.
La fin arrive pas, hein, Ryan. Ah, si tu parles de ma fin de mon perso, ouais. Ah, il y a des gens, plusieurs autochtones s'approchent de vous avec des pelles sur le dos. Ils portent un long objet enveloppé de tissu. Une procession, vous écoutez leur chant monotone et guttural. Qu'ils n'interrompent pas, même lorsque vous choisissez, vous croisez leur regard. Leur mélodie mystique est remplie de douleur et de chagrin. Je parle aux étrangers, rien pour les faire truc. Vous faites quelques pas vers eux et observez le long objet. Vous reconnaissez la forme d'un corps humain sous le tissu. Soudain, vous sentez un coup dans votre dos. Vous tombez à terre et un goût de sang envahit votre bouche. Ah, les trucs, ils vont me bouffer. Du coup, vous avez un jeune épaulage. Oh putain, ils m'ont bouffé. Je me suis fait bouffer par des autochtones. Sérieux quoi, les gars? Bonjour. Tombant d'épuisement, vous vous effondrez dans la neige. Vous avez tout donné, mais cela n'a pas suffi. Votre périple a pris fin. Une nouvelle aventure débute à présent. Non, je me suis fait bouffer par des mecs, quoi. Ah là, voilà. Bon, c'était drôle, hein. J'ai bien aimé le coup de la chèvre. Donc voilà. Ah mais du coup en fait ça m'a supprimé mon ancienne partie. Oh l'arnaque. Ouais, j'ai pas eu la meilleure fin. J'ai une fin à la Mademoiselle Quick. Le truc, il meurt, tu meurs comme un con quoi. T'as le mec, tu rencontres des mecs, ils ont un cadavre sur le dos, au lieu de fuir, tu restes avec eux. Hey, salut les gars, pourquoi vous avez quelqu'un sur votre dos? Et les mecs ils te bouffent quoi. Ils te défoncent quoi. Non mais sérieux quoi, moi je suis juste un alpiniste, je voulais juste monter quoi. Ouais, au moins la survie, pas comme mon alpiniste. Donc voilà, c'était un petit trail de insurmontable. Bon, la première est pas insurmontable, mais après ça devient insurmontable. C'est très très haut, hein, vous l'avez vu. Donc on meurt bêtement, on se prend des trucs chelous. On fait des trucs avec des ours, enfin, y a plein de choses quoi, c'est vraiment. Après, il y en a, ils peuvent aimer, d'autres moins. Après, ça reste quand même un très bon jeu. Je trouve que ça reste un bon jeu pour ceux qui aiment la survie. Ça manque un peu plus d'événements, un meilleur équilibre aussi. Je trouve que c'est pas assez équilibré. Là, sur la descente de tout à l'heure, j'ai eu zéro événement. Donc du coup, bah forcément, j'arrive à la seconde montagne, j'ai plus d'énergie, plus rien. Bah ouais, j'ai rien eu pour remonter mon énergie et tout. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui manquent. Après, il y en a, ils vont aimer. Hein. D'autres non. Moi, la version anglaise m'avait pas déplu, même si je trouvais ça répétitif. En français, je le remarque, c'est répétitif, c'est toujours les mêmes choses et tout. Et c'est vrai que c'est dommage. Donc voilà, sur ce, moi je vous fais des bisous, je vous dis peut-être à tout à l'heure, je crois que normalement, apparemment, j'ai un second live, donc je vais sûrement revenir, mais pas longtemps, je suis pas sûr que je le fasse très longtemps, mais on verra. Donc des bisous, bonne soirée à tous, merci d'avoir franchi cette montagne avec moi, et à tout à l'heure, ou sinon c'est à demain, ciao.